Alice. Ah, qu'est-ce que t'es beau. Ça va? Oui. Je suis contente de te voir, ça fait si longtemps. Je voudrais porter un toast à vous tous ici qui vous retrouvez comme quand vous étiez petits. On est bien ici. Repos, zéro stress, air pur. C'est calme. Il n'y a plus rien qui marche, hein. Ni portable, ni fixe, ni internet, plus rien. On est coupé de tout, là. Excusez-moi, mais je crois pas que ce piège ait été posé par hasard. Il y a eu 3 accidents en 2 jours. Pour moi, ça fait au moins 2 de trop. Au secours! Au secours! On leur a tiré dessus, au bas du pont. Quoi? Moi, je mets plus les pieds dehors. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi, tu m'as bien compris? Ça fait combien de temps que le chalet est inhabité? 20 ans. C'est un rapport avec 97, ce qui arrive. C'est pas un étranger qui a posé le piège et détruit le relais, c'est quelqu'un du village. C'est impossible, il y a que nous dans le village. Mais c'est ce que je te dis, c'est l'un de nous. Comptez jusqu'à 3, messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra jamais, on ne